Ouverte depuis le 15 août au collège Le Pédagogue de Yamoussoukro, la 9e édition de Vacances en Christ, déroulée autour du thème « La grâce de Dieu » s'est achevée le 25 août. Nous disons infiniment merci au Seigneur qui nous a permis d'achever le camp. Nous avons fini aujourd'hui le dimanche 25 et les différentes délégations sont en train de s'apprêter à rentrer dans leur localité. Et nous disons vraiment merci au Seigneur qui nous a permis donc de tenir ce camp-là. Au cours donc de ce camp, nous avons travaillé sur l'amour de Dieu. Nous avons travaillé sur Jésus-Christ comme étant le moyen par lequel Dieu nous donne d'accéder à sa grâce qu'il a arrêtée. Et nous avons vu en gros les conditions dans lesquelles Dieu souhaite que nous marchions quand nous avons reçu sa grâce. Fuir tout péché, vivre dans la sanctification, demeurer dans ses voies et les servir. Nous bénissons le Seigneur, nous comptons sur son esprit qu'il a promis de nous envoyer afin de nous conduire et nous donner de connaître toutes choses en Christ. Nous croyons que cet esprit-là aussi saura parler à nos enfants, saura instruire nos enfants, saura se révéler à eux afin que le dépôt que nous avons fait puisse fleurir et donner du fruit que tout le monde verra demain. Les enfants ont rassuré le pasteur Jean-Paul Apoutry de par leurs différentes impressions que l'amour du Seigneur Jésus renouvelé dans leur cœur et l'engagement de le suivre resteront à jamais gravés en eux comme un sceau marqué par Dieu lui-même. Je suis le frère de Kikofi Akilas. Je viens d'Azopé. Vacances en Christ 2024. J'ai compris que d'être vrai envers le Seigneur. J'ai décidé de ne plus faire palabre à l'école. Amen. Je m'appelle Fanuel Sabatier. Je suis venu à Vacances en Christ à Yamoussoukro en 2024. Ouais, ça m'a aidé à plus connaître le Seigneur. Ouais. Et ce que je souhaite, c'est revenir l'année prochaine, voilà. S'il y a une nouvelle édition, je reviendrai sans hésiter. Un engagement dans lequel les ministres aux enfants ne comptent pas se soustraire. Je suis la sœur Eliane Clarou. Je suis vraiment bénie par rapport au message, sur la grâce. Et la bénédiction que j'ai reçue, et les enfants avec qui je suis venue aussi ont été bénis. L'un des enfants a été vraiment... a pris une décision à faire sa repentance. Il s'est baptisé et à notre retour dans notre localité, je vais veiller à ce que l'enfant soit un membre actif de l'Église et que les autres prochaines années, ils participent au programme. Maintenant, concernant mes frères avec qui je travaille, ministre aux agneaux, je vais tenir des réunions pour que nous puissions travailler davantage et amener d'autres enfants qui n'ont pas participé à comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu pour que les autres années, les enfants puissent participer massivement à ce programme. Je suis la sœur Cynthia Seri. Les enfants, après les engagements, ils ont décidé vraiment de ne plus, d'autres ont décidé de ne plus mentir, d'autres ont décidé de ne plus faire des histoires, d'autres ont décidé vraiment de marcher dans les voies de Dieu. Donc, pendant qu'on faisait le culte matinal même, je leur disais que les engagements qu'ils ont pris, il fallait qu'ils tiennent à ces engagements, qu'ils marchent selon vraiment ces engagements, que ce ne soit pas des paroles comme ça. Donc, je compte les appeler pour savoir... Comment ça va toujours avec Christ? Marqué par le départ sur Abidjan le 25 août, cette journée a assisté à un défilé d'au revoir des enfants qui, après ces bons moments passés ensemble avec leur ministre, avaient du mal à se quitter. Avant le départ, les responsables du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, Jean-Paul et Anna Poutry, ont exprimé leur gratitude à la fondatrice du collège Le Pédagogue, Monique Kwame. C'est avec beaucoup de joie qu'elle a accepté de recevoir ses enfants, a-t-elle confié. Je suis sœur en Christ à la CMCI. Je suis tellement dans la joie.
que le Seigneur ait choisi le collège de pédagogues pour le camp des agneaux, pour les vacances en Christ. Je suis vraiment dans la joie. C'est une grâce que tous les enfants, dans toute la Côte d'Ivoire, que chacun arrive dans sa famille sain et sauf. Que le Seigneur Jésus-Christ vous porte sur ses ailes d'aigle. De retour à Abidjan, les enfants ont été accueillis chaleureusement. Papa Nana, je suis venu chercher mon petit-fils qui était en vacances à Yamoussoukro. Ces vacances organisées par l'église. Et vraiment très satisfait de tous les fois où il passe les vacances avec les jeunes amis. Ces jeunes amis, ils rentrent toujours avec un plus. Et j'en suis persuadé que cette fois-ci encore, il sera encore plus surprenant parce qu'il va manifester de très grandes choses. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Geneviève ici. Je suis ici avec ma fille qui vient d'arriver. Depuis que ces enfants ont reçu là, je vais encore travailler avec l'enfant. Je vais travailler avec elle pour que ce dépôt-là ne se fasse pas facilement. Toutes les prières sont alors centrées sur la protection des bénédictions acquises à ce camp par les enfants, les parents et les ministres aux enfants.